Dans l'actualité, l'implication de la compagnie des hydrocarbures dans le soutien des start-up. L'objectif est de valoriser le contenu local Sonatrach qui renforce par ailleurs ses investissements dans le polypropylène. Prise en charge des personnes affectées par les inondations dans la région de Béchar. Le recensement est en cours et la protection civile poursuit ses interventions. La rentrée scolaire approche à grands pas. Les parents d'élèves ont déjà commencé à faire des achats en vue de constituer le trousseau scolaire. Beaucoup se tournent vers l'effort organisé en ce sens. Les derniers développements dans les territoires palestiniens au centre de la réunion ministérielle du Conseil de la Ligue arabe. Ce mardi, le chef de la diplomatie algérienne y participe. Sport, éliminatoire de la CAN de football 2025. L'Algérie affronte à 17h le Liberia à Monrovia pour le compte de la deuxième journée. Madame, Monsieur, bonjour. Sonatrach réunit une quarantaine de start-up ce mardi dans l'objectif de valoriser l'innovation et le contenu local des start-up qui peuvent offrir des prestations et des solutions dans le domaine énergétique. Le président directeur général du groupe, Rachid Hachichi, des propos recueillis par Samé Alloun. Au sein de Sonatrach, nous croyons fermement à l'importance capitale de la collaboration. C'est dans ce but que notre ambition est d'élargir les liens avec les start-up et de vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial et d'innovation. Nous aspirons à être un accélérateur des ambitions et du développement des start-up. Votre succès est notre succès et contribue assurément au développement et à l'épanouissement de l'économie nationale. Dans ce contexte, l'innovation est devenue plus que jamais, dans un environnement économique mondial caractérisé par un changement constant, une question essentielle et vitale. Je vous invite donc aujourd'hui à saisir cette opportunité pour explorer toutes les possibilités de collaboration avec le groupe Sonatrach. Faisons de cette journée un point de départ pour une coopération fructueuse et durable afin de relever les défis que rencontrent nos entreprises dans un marché concurrentiel où l'innovation est le moteur principal de la transition énergétique. Sonatrach qui renforce par ailleurs ses investissements à l'étranger. L'Algérie décide en effet d'investir en Turquie dans la production de polypropylène, un projet qui va permettre de produire 550 000 tonnes par an de ce produit. Le but étant de réduire la facture d'importation de plastique et de diversifier les ressources ou de revenus, entre autres. On écoute à ce propos Boujma Hamada, expert en énergie, contacté par l'Imbourgadoum. Cette conviction-là permet à Sonatrach de compenser, bien sûr, le revenu en devise. Et bien sûr, une part de cette production-là, donc, elle va être importée en Algérie, ce qui fait qu'on réduit en quelque sorte le coût de la consommation de ce produit-là, qui est consommé en Algérie en grande quantité. Et bien sûr, cette part de marché-là revient à l'Algérie sur le plan international. Il faut noter aussi que, parallèlement à cela, il y a un autre projet qui est en voie, donc, construction à Arzeux qui produit également le polypropylène. Ça veut dire qu'elle renforce la coopération entre ces deux pays-là, soit avec la société Renaissance et Sonatrach, et ça renforce aussi donc les liens donc de coopération avec l'Algérie et la Turquie. Donc pour ce projet de partenariat avec le Turc Ronsan Holding, la filiale de Sonatrach participera donc à hauteur de 34% à ce projet qui permettra notamment à diversifier les sources de revenus. On s'intéresse à présent à la prise en charge des personnes affectées par les intempéries. Le recensement est en cours à Béchar. Les citoyens concernés sont également invités à se rapprocher des collègues activité locale, selon le Wali Mohamed Saïd Ben Kamou, contacté il y a quelques instants par Hamza Rahmouni. باش نقيموا هذه الخسائر ونشوفوا اذا ممكن نثبتوا هؤلاء الناس او نحولوهم لجهات واحده اخرى لان ممنوع باش واحد يسكن في ضيفه في الواد ودائما يعرض نفسه وولاده للخطر اذا لازم كل شيء يكون مرحلي. Les éléments de la protection civile poursuivent en ce moment même leurs interventions, explique Boubkar Sadiq Bali. Nous avons recensé 10 interventions parmi les plus importantes. La première concerne le sauvetage de deux conducteurs de poids lourds encerclés par les eaux de Wetz Fayad dans la Daïra
de Abadla. Les deux personnes ont été secourues saines et saufs. Nos équipes ont également réussi à sauver une famille de 8 membres bloqués par les eaux de l'Oued près de la daïra de Bni Ounif. L'intervention des plongeurs de la protection civile a été nécessaire pour cette opération. 12 autres personnes ont été bloquées depuis le début des intempéries dans la boue, dans la localité de Hassil Houari. Nos équipes sont intervenues pour dégager un véhicule particulier et un camion encerclé par les eaux dans la daïra de Abadla. Les conducteurs sont sains et saufs. Nos équipes ont réussi à effectuer 43 interventions de pompage d'eau au niveau des points noirs, notamment dans les artères, les quartiers et les habitations les plus touchées de la wilaya de Béchar. Les opérations de pompage se poursuivent encore à ce jour. Les propos du responsable de la protection civile recueillis par Hamza Rahmouni. Il s'agissait donc de la situation à Béchar où s'était déplacée il y a quelques jours une délégation ministérielle. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. Les parents d'élèves courent déjà les magasins pour constituer des trousseaux scolaires. Des foires sont ouvertes à cet effet et offrent des prix relativement abordables. Meïssa Smaïl s'est rendue ce matin au palais des expositions. Environ 50 exposants présentent des fournitures scolaires et des livres produits en Algérie et adaptés aux besoins des élèves. On a des sacs à dos locaux, on fait le design et le montage, la couture ici en Algérie, on a des ateliers spéciaux. On a aussi les trousses pour les sacs à dos, adapter les livres scolaires assez grands sur la taille de la. Donc on fait attention aux détails. Nous avons des dos simples et des dos orthopédiques. On mise sur la qualité et le prix, que ça soit abordable pour chaque citoyen. Et le consommateur algérien, on devrait acheter plus de local que l'importer, parce que non seulement ça va aider l'économie, mais c'est aussi bénéfique pour lui. La préoccupation constante des parents et des élèves pour les cours de soutien est adressée par la plateforme Mouallim, qui offre un encadrement personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Yassine Chakal, responsable de la plateforme Mouallim. C'est une plateforme 100% pratique, plateforme d'entraînement. Lui, l'élève, il passe par l'étape de l'évaluation, fait des questions dans chaque leçon, quand il y a une autocorrection. Le but de la plateforme Mouallim, c'est de rendre l'enfant autonome pour la révision des allos. Deuxième étape, c'est une étape d'entraînement. Oui, le système, il arrive le niveau de chaque élève où il peut proposer un programme de révision personnalisé. La participation des marques algériennes se distingue avec des articles proposés à des prix compétitifs, ravissant petits et grands. Cette exposition est donc une occasion pour les familles de trouver leur compte et pour se préparer pour la prochaine rentrée. Les articles scolaires mis sur le marché sont contrôlés. Exemple à Constantine avec Hayat Karboua. À l'occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, la direction du commerce renforce ses brigades pour le contrôle des fournitures scolaires. Faisal Jerim, chef de service de la protection du consommateur à la direction du commerce de Constantine. 26 brigades d'inspection ont été récemment déployées pour le contrôle des fournitures scolaires, visant à s'assurer du respect des normes et des qualités et de la conformité de ces produits. Où ces équipes effectueront des visites inopinées chez les producteurs, les détaillants et les grossistes. Répartis à travers les 12 communes de la wilaya, l'objectif est de contrôler les matériaux utilisés dans la fabrication des fournitures scolaires qui seront analysés afin d'empêcher toute commercialisation des kits scolaires composés principalement des métaux nocifs pour la santé, surtout des enfants. Des échantillons seront prélevés sur les couvertures de cahiers, les boîtes de craie et les pâtes à modeler. Les citoyens doivent rester vigilants pour l'acquisition des fournitures scolaires et autres produits. Cela renforce le travail des contrôleurs, des fraudes et autres irrégularités qui contribuent ainsi à protéger la santé et le bien-être des citoyens. Constantine Hayet Kerboua, Algérien 3. Et en prévision de la rentrée sociale, la Chambre nationale de pêche et d'aquaculture lance une opération pour rendre le poisson plus accessible. Escale à Sidi Blabès avec Inès Mohamed. Suite aux directives dictées par le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, la direction locale de la wilaya de Sidi Blabès s'apprête à mettre sur le marché local des quantités importantes de poissons bleus, notamment la sardine, qui sera livrée directement du producteur au niveau des points de vente à des prix réduits et plus accessibles, à environ 350 dinars le kilo. Le but est de répondre fondamentalement aux besoins du consommateur. Mustapha Ilyas, directeur du secteur de la pêche, détaille. C'est une opération de distribution des produits de la pêche avec des prix raisonnables.
durable, notamment la sardine, directement du producteur vers le consommateur. Ces quantités seront tributaires de la quantité débarquée au niveau des ports de pêche. Ces quantités seront contrôlées au niveau du marché de gros, où on va distribuer ces quantités au niveau des points de vente agréés pour permettre aux consommateurs d'acheter les produits de la pêche, notamment la sardine, avec des prix raisonnables. La même direction s'engage à mettre en place des inspecteurs pour assurer le contrôle rigoureux du poisson, sachant que cette opération sera généralisée progressivement à travers tous les points de vente existants et avec des quantités suffisantes. De Sidi Bla Abbès, Inès Mohamed pour Al Jazeera 3. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est au Caire pour prendre part ce mardi à la 162e session ministérielle du Conseil de la Ligue arabe, une réunion consacrée à l'examen notamment des dangereux développements auxquels la cause palestinienne et toute la région sont confrontées en raison de l'escalade israélienne, une escalade qui n'épargne pas la ville sainte d'Al-Quds, des violations discutées justement ce matin lors de la réunion du comité restreint chargé de l'action internationale. L'agression israélienne qui se poursuit, y compris à Gaza, une cinquantaine de martyrs ont été enregistrés ce matin, rien qu'à l'ouest de la ville de Khan Younes. Témoignage d'Ahmed Chourab, présent ce matin dans le quartier ciblé par les raids. Il est joint par Karim Abnour. Il y a des bombardements sionistes qui ont détruit des tentes autour de 25 et faisant 50 chéhides et 100 blessés, des civils qui dormaient et qui ont vu 5 missiles tomber en 5 minutes, tuant des enfants de 3 à 10 ans, des femmes et des jeunes. Il n'y a pas de résistants ici. L'occupation israélienne qui veut également annexer la Cisjordanie occupée, explique l'analyste politique palestinien Walid Al-Houdadi. Cette politique d'annexion des terres palestiniennes est concrétisée sur le terrain et Smotrich, qui rêvait de cela, profite du poste qu'il occupe pour aller plus loin dans l'expansion des colonies. Il coupe les routes, il emprisonne chaque jour des Palestiniens et démolit leurs maisons avec le feu vert de Netanyahou et l'appui des Américains défiant les lois internationales. Une politique qui ne peut être combattue qu'à travers la résistance dans une guerre d'usure qui, sur le tas, use l'armée, l'économie et démolit leur image. D'ailleurs, actuellement, le projet sioniste se ruine dans la région. Des propos recueillis par Karima Bonnour. Et un séminaire est organisé aujourd'hui par le groupe des États de Genève, un événement qui rassemble des experts, des avocats et des professeurs d'université pour analyser en profondeur les similitudes et les différences entre les situations en Palestine et au Sahara occidental, de territoires sous occupation militaire et en quête d'autodétermination. On écoute les précisions de l'avocat Gilles Devers. Prend le Sahara et la Palestine parce que on a le cumul du droit à l'autodétermination et de la lutte armée au titre du droit à la résistance. Dans les deux cas, alors l'argument part des décisions de la plus importante des juridictions, qui est la Cour internationale de justice. En 1975, elle se prononce très clairement pour dire que le territoire du Sahara occidental et son peuple a droit à l'autodétermination, vu qu'il n'y a aucune souveraineté, donc c'est au peuple de se prononcer, il fera ce qu'il voudra. Et ça a été réitéré par la Cour africaine des droits de l'homme et vont faire réitérer également par la Cour de justice de l'Union européenne. On voit ensuite la mécanique exacte qui joue pour le peuple de Palestine parce que c'est également le droit à l'autodétermination et une occupation militaire. Et le droit reste un langage universel pour défendre la légalité internationale, souligne Gilles Devers. C'est que vous vous imposez sur un territoire qui n'est pas le vôtre et que vous cherchez à agrandir votre territoire par la force armée. Ce qu'on a cherché à faire avec le Front Polisario, on en trouve la parallèle avec ce qu'a fait l'État de Palestine à la Cour internationale de justice, avec cet avis qui est rendu le 29 juillet, en disant c'est une occupation militaire. Donc la seule chose que l'occupant a à faire, c'est de déguerpir. Donc on vous dit le problème de Palestine, il est archi compliqué, on ne sait pas comment faire, je m'excuse, c'est 600 000 valises à faire, et puis c'est réglé. Vous rentrez chez vous. Et c'est exactement la même chose qui va se jouer sur le Maroc, à savoir que vous n'avez pas de souveraineté, vous ne pouvez pas conquérir le territoire et vous devez respecter le peuple. Et la paix dans le monde résulte de la coexistence des peuples.
Retour à l'actualité internationale avec ce premier duel entre Donald Trump et Kamala Harris qui se déroulera à Philadelphie dans un état décisif, un état clé, celui de la Pennsylvanie. Harris affrontera son concurrent républicain lors de ce premier débat télévisé. Deux personnalités que tout oppose, une femme métisse de 59 ans, ancienne procureure et très attachée aux droits civiques face à un homme, Donald Trump, condamné au pénal et qui ne cache pas ses visées ultra-conservatrices. Comment s'en sortira Kamala Harris? Élément de réponse avec Philippe Goloub, professeur de relations internationales. Il est contacté par Rabea Slimani. Le débat est un débat à l'évidence d'une très grande importance, plus qu'à l'habitude. L'élection est extrêmement serrée. Les sondages aujourd'hui donnent à peu près des résultats à 50-50, avec des incertitudes quant aux résultats dans les élections dans les États clés, Pennsylvanie, Pennsylvania. C'est un scrutin très serré où Kamala Harris doit se faire connaître très grand public américain, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense qu'elle aura un défi. Et ce défi est un défi important qu'elle pourra surmonter, je pense, relativement facilement. Elle est intellectuellement beaucoup plus claire, beaucoup plus forte que Donald Trump, qui lui est de plus en plus incohérent dans ses déclarations, qui sera agressif. Et puis elle a un autre avantage qui est que, contrairement à Biden, elle est relativement jeune. Donc la société américaine est très clivée, les divisions sont très profondes et une question subsiste importante: si une femme d'origine indienne et noire peut être élue présidente des États-Unis. Des propos recueillis par Rabea Slimani. L'obtention de la carte d'artiste se fait actuellement via une plateforme spécialisée qui facilite justement les procédures. Ces derniers jours, plus de 20 cartes d'artistes ont été délivrées à Oran, selon Nour Mkhissi, cadre à la direction de la culture. Il est au micro de Hamza Belmadani. La plateforme pour la demande de la carte d'artiste est opérationnelle. Elle est mise à la disposition des artistes ou amateurs qui souhaitent avoir la carte d'artiste. C'est une application qui s'appelle ArtFen en arabe. Vous pouvez taper sur n'importe quel moteur de recherche. L'application, elle est dédiée à la demande de la carte d'artiste et le suivi des procédures relatives à la délivraison de la dite carte, depuis le dépôt du dossier qui est un dossier électronique jusqu'à la confection, l'étude de dossier et la délivrance de la carte d'artiste. Au niveau d'Oran, plus de 20 cartes ont été remises et d'autres cartes sont dans les différentes étapes du traitement des dossiers relatifs à la carte d'artiste. Et on passe à l'actualité sportive du football avec le match ce soir à Monrovia entre l'Algérie et le Libéria. Hamza Rahmouni. Effectivement, Libéria-Algérie, aujourd'hui à 17h au stade Samuel Kenyon des Sports Monrovia. Les Verts qui vont disputer leur deuxième match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Rappelons que jeudi dernier, ils se sont imposés au stade Miloud Hetfi d'Oran face à la Guinée équatoriale, 2-0. Le Libéria qui a réalisé un match nul à Lomé lors de la première journée face au Togo, un but partout, affrontera les Verts avec l'espoir ou bien l'intention de s'imposer pour prendre seul la tête de ce groupe après le match nul disputé lors du deuxième match entre le Togo et la Guinée équatoriale disputé hier et qui s'est soldé sur un nul de 2-0. Les Verts affronteront donc une équipe du Libéria en étant décimée de joueurs pièces maîtresses tels que Bennassar Aouag, Ait Nouri et le capitaine Riyad Mahrez. Deux handicaps pour les Verts lors de cette rencontre: la pelouse synthétique du stade de Monrovia ainsi que les conditions climatiques, notamment le taux d'humidité très élevé. Donc cet après-midi à 17h, Libéria-Algérie, je rappelle que la rencontre sera retransmise en direct sur les ondes d'Alger Chien 3. Merci Hamza Rahmouni. Vous évoquez des conditions climatiques. Eh bien, une perturbation arrive justement. Nous aurons les détails dans quelques instants avec Karima Burnour. Merci Ardouane Siassi qui était à la réalisation. Shiraz à la régie d'antenne. Yassine à la console technique et Ikram au streaming. Bon après-midi.